test, test. Première séquence, plan A, première. Ça tourne. Non. Alors aujourd'hui, on va présenter deux MC camerounais qui sont venus se produire ici au Maroc. Donc big up à nos MC. On va aller les retrouver. Café Yasmina, Casablanca. Oh, tranquille. Comment ça se passe? De questions à vous poser, parce que votre public il se pose des questions. Vous n'avez pas eu beaucoup d'interviews depuis que vous produisez, et vous avez du monde derrière vous. Mais qu'est-ce que vous pourriez parler un petit peu de connivence? Qu'est-ce que connivence? Babouin et 117 matricule, tu vois un peu. Nous sommes tous d'origine camerounaise. Vous êtes tous du Cameroun et actuellement nous sommes au Maroc. Vous êtes d'où du Cameroun? Ouais, nous sommes tous d'origine camerounaise. Mais d'où? Où au Cameroun? Bon, moi je suis du centre Cameroun. Mm-hmm. Lui il est du sud, moi je suis du sud, il est du sud, tu vois. Mm-hmm. Mais nous sommes au centre, normalement la capitale. Bon, nous habitons tous, on a tous grandi à la capitale. À la capitale. Okay. Yaoundé. Yaoundé. Bonjour à tout le monde. Moi, 617, matricule à comme membre de connivence. Justement, si je vais être un peu bref dans les idées que le frangin Babouin a émises tout à l'heure, connivence, c'est l'union de deux frères camerounais qui au départ étaient déjà des rapports au Cameroun et qui se sont retrouvés ici au Maroc il y a de cela un an. Et ils ont décidé de faire l'union entre se réunir. Cette union qui a donné le nom de connivence. L'union fait la force. L'union qui fait la force. Alors Baba, dis-moi un peu, comme vient de dire 117, vous étiez des rappeurs indépendants au Cameroun. Tu rappes tout seul et rappes tout seul. Qu'est-ce que tu as sorti au Cameroun? Au Cameroun, j'ai sorti un premier album en 2010, en juin 2010, le 28, si je me rappelle bien de la date. Qui s'appelait Soldat comme mon père. Bon, Soldat comme mon père, pourquoi? Mon père, il était militaire, quoi, tu vois, il a combattu aux côtés de l'armée, tu vois. Et moi aussi, je suis un soldat parce que je combats aux côtés de la rue, quoi, tu vois, je défends un peu l'idéologie de la rue, quoi, tu vois. Pas du mauvais côté, quoi, tu vois, du bon sens, quoi. Que dans la rue, on peut faire des... Il se passe beaucoup de grandes choses, quoi, tu vois. On peut faire des grandes réalisations. La rue c'est pas seulement négatif comme beaucoup de gens pensent, la rue c'est positif aussi. Il y a de la musique dans la rue, il y a des graffitis, il y a de la danse, tu vois. Il y a des mecs qui se font beaucoup de buzz. Il y a beaucoup d'art dans la rue. Ouais, ouais, beaucoup d'art, beaucoup d'art. Le groupe c'était la morsure. Mm. Oui, morsure, pourquoi? Parce qu'on était deux dans le groupe. Donc deux rappeurs. Et... On a sorti un maxi. Le maxi, on a sorti un maxi en 2007. Mais le maxi, on l'a vendu dans la plupart des grands collèges du Cameroun, de Yaoundé en général. En particulier, pardon. On a ciblé des grands collèges tels que Vox, La Retraite, Monti. Pourquoi? Parce que déjà Monti, on était à Monti. On était des élèves au collège Père Monti. Mon pote et moi, le Gangsta Picture. On a sorti un maxi de 6 titres, vraiment qui a fait un buzz. Pourquoi? Parce que le maxi il s'est bien vendu et on a eu un petit nom. Mais dommage, l'effet du buzz ne nous a vraiment pas poussé plus loin. Pourquoi? Parce qu'on a été surpris de voir l'essor du projet. Et pourquoi vous êtes mis ensemble en fait? Je comprends pas pourquoi vous êtes mis ensemble. Vous étiez, tu t'es retrouvé dans une carrière solo, toi Babouin dans une carrière solo, et maintenant vous vous retrouvez au Maroc, qui est très loin de votre Cameroun natal, vu qu'il voulait aller dans le rap francophone. Est-ce que vous êtes retrouvés ici, ensemble? Vous êtes partis vous-même du Cameroun, tous les deux, ou est-ce que vous êtes retrouvés ici? Bon, déjà, au Cameroun, 117 et moi, tu vois, on se connaissait, quoi, tu vois, dans les scènes hip-hop. On se croisait souvent dans les milieux hip-hop et tout. Bon, c'est vrai qu'on ne posait pas trop, quoi, tu vois. Il n'y avait pas trop de contact. On pouvait se saluer et puis, tu vois. Mais quand j'arrive au Maroc, parce que 117, il arrive au Maroc avant moi. Tu comprends? Quand j'arrive au Maroc, je trouve 117, il est déjà actif.
Et je prends 117 comme au Maroc. 117 arrive chez moi, tu vois. Où j'habite, parce que j'habite avec des gars qui sont aussi au Maroc et tout, tu vois un peu. Bon, 117 arrive un soir, du coup, mon frangin me présente. Est-ce que tu connais 117 et tout? Et il s'est ramené. Mais j'ai dit, putain de merde, quoi, 117? Mais je connais 117 depuis longtemps, merde, putain. Tu vois un peu. Et c'est là où il me dit, oh, il est dans la chambre. Là où je me ramène, 117, il est étonné de me voir. Je suis étonné de le voir, tu vois. On s'embrasse et puis c'est comme ça qu'on cause. Et puis il me dit, mais putain, et si je traîne depuis longtemps, j'ai besoin d'un négro comme toi, putain, tu as exaucé ma prière, quoi, tu vois. Et tout. Il me dit, mais putain, moi aussi je suis arrivé, je savais pas. Parce que quand je venais au Maroc, tu vois, c'était pas trop pour venir faire du rap, moi. Tu vois, je venais au Maroc pour venir faire mes business et tout, tu vois un peu. Et j'arrive, ça me dit, il est déjà trop parti. Tu vois, le voilà, il me présente, il me dit ok, et puis on va se donner rendez-vous et tout. Et puis le lendemain, c'est donné rendez-vous, j'arrive sur 117. Il me montre un tas de trucs qu'il a fait au Maroc, des concerts, des studios, des séances de studio avec les Marocains. Et puis j'ai dit, mais putain, t'as fait déjà avancé dans le truc. Et il me dit, bon, moi, t'es arrivé, et puis bon, on est des rappeurs, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis déjà au Cameroun, on sait que on me prenait, il y a un peu l'union pour un peu se réunir, faire quelque chose de grandiose et tout. Je dis, mais putain, moi, ça me va tout droit. Tu vois, moi, je kiffe le truc, quoi, tu vois un peu. C'est comme ça que nous sommes assis, on a projeté sur un groupe, sur le même groupe, quoi, tu vois. Justement, qu'on y va, on s'est mis ensemble, pourquoi? Tu vois, au départ, le frangin Babouin m'a trouvé sur Bled, tu vois. Moi, j'étais déjà là. Et j'abattais déjà vraiment un sacré putain de boulot. Mais c'est, sérieusement, seul un soldat, seul au terrain, c'est pas évident. Pourquoi pas? C'est pas parce que tu te retrouves devant des faits accomplis ou derrière toi, il n'y a personne pour protéger ton arrière. Tu vois? Donc je me suis retrouvé seul. Il y avait des fois où je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des opportunités, j'ai tout se présenter devant moi. Mais pouvoir gérer cette logique dans laquelle je me retrouvais, c'était très difficile. Justement, quand j'ai vu Babouin, je me suis dit, enfin, un soldat valeureux qui va m'aider à militer et qui va faire en sorte que l'on pousse l'étendard du rap français. Déjà, nous sommes Camerounais et on place l'image du Cameroun en avance. Donc, l'arrivée de Babouin, c'était comme une bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est Dieu seul qui sait pourquoi il réunit les hommes. Et c'est venu, on n'a pas cogité, on ne s'est pas assis un matin pour dire bon, on va faire, non. C'est venu instinctivement, naturellement. Puis on s'est retrouvé devant un fait accompli, on a dit bon, qu'est-ce qu'il faut faire des hommes? Qu'est-ce que des hommes valeureux peuvent faire dans cette situation? On a lancé. Donc, quels sont vos projets maintenant? Actuellement, quels sont vos projets? Je vois que vous enregistrez chez Beatmaker, Mourad Ayane. Je dois lui faire un petit peu de pub. Quels sont vos projets exactement ces temps-ci? Vous voulez sortir un CD, un album au Maroc, au Cameroun, en France? Lancer vraiment dans un projet, un EP. On aimerait sortir un EP de 6 titres. Pourquoi? Parce que déjà d'abord, on aimerait déjà présenter l'union. C'est que la résultante de cette union entre Babouin et 117, c'est que ça a donné. Pourquoi? Parce que déjà d'abord, dès la bis, on connaît un Babouin qui a un concept particulier. On connaît 117 qui a un concept particulier. On s'est dit, bon, il faudrait que non. On présente déjà d'abord ce que ça donne. Ce que cette connivence. On essaie de voir ce que ça donne, quoi, tu vois. Donc, du genre, bon, chez nous, on appelle ça Maxi Single. Tu vois, Maxi Single de City. Tu vois un peu. Bon, voir ce que ça peut donner entre 117 et Babouin. Tu vois un peu. Si après ça, tu vois, on va voir s'il faudra produire un album. Pas qu'on va voir Babouin, puisque l'album est déjà en vue. Bon, mais justement, nous sommes en train de vouloir attirer notre public. Donc on aimerait accrocher notre public. Pourquoi? Parce qu'au départ, on a des styles, on avait des styles différents, on était solo. Donc on se retrouve en union automatiquement. On aimerait présenter notre couleur. Notre couleur, partager nos idéologies déjà dans nos écrits. C'est une belle impression pour amener un max de public vers nous et là commencer à annoncer les projets de l'album. Tu vois un peu? Donc actuellement c'est d'abord un EP. Nous sommes en train de tirer sur au pays on appelle un maxi peut-être de 6 titres qui va présenter le groupe, qui va vraiment présenter tous les bons menus du groupe. Et après l'album il va venir par derrière au fil du temps.
mais il est si proche, il n'est pas très loin, il est proche. Pourquoi? Parce que le projet déjà, l'épée, nous sommes en train de la cheminer, et d'ici peu il sera prêt. Il va résonner dans les stéréos, dans tous les sites, il sera disponible. Quelles sont vos ambitions, vos projets, vos rêves? J'aimerais t'entendre, Babon, quel est ton rêve? De quoi tu rêves depuis que tu es petit rappeur? Depuis que tu es un petit MC, que tu viens de commencer dans les petites rues de Yaoundé? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, Babouin, comme tout rappeur, tu vois, comme tout rappeur dans le monde entier, je veux sortir des sons, des albums, des projets, quoi, tu vois, sortir des albums, faire des albums, sortir des albums, des clips, tourner des clips, tu vois, faire des concerts, des tournées internationales, quoi, tu vois, rapper partout dans le monde entier. Passer à la télévision, faire des trucs grandioses, tu vois. Devenir une star, quoi, tu vois. Moi, je rappe pas parce que je vais traîner dans les bars, dans les quartiers qu'on sort, tu vois. Je vais devenir une star, faire que ma musique, tu vois, un peu. On l'entend partout dans le monde entier. En gros, tu veux tout niquer. Au Cameroun, on l'entend au Maghreb, au Maroc. Bien sûr, il faut tout niquer. Comment tu poses cette question? Il faut tout niquer. Il faut aussi niquer la chose, quoi, tu vois, un peu. On vient pas blaguer, on vient niquer. Ça, c'est on blague pas, on nique tout. C'est ça le truc, quoi. Donc, moi, c'est mon rêve, quoi, tu vois, un peu. Devenir une resta, quoi. Faire des sons, monter, arriver au plus haut sommet de la gloire. Des grands feats. Faire des futurines aux États avec des rappeurs américains. Lâche. Mais dis-moi, 117, quels sont vos projets? Où est-ce que vous voulez tourner? Où est-ce que vous voulez être vu? Où est-ce que vous voulez être écouté et entendu? Ok, sérieusement, ça, c'est une très belle question. Pourquoi? Parce que elle va vraiment dans ma logique et elle me touche vraiment. Si il faut lancer une carrière d'artiste, j'aimerais vraiment être suivi partout. Pourquoi? Parce que je me dis déjà, la musique elle est universelle. D'où je regarde la France pour un départ. Nous sommes au Maroc là, on a commencé au Cameroun, nous sommes arrivés au Maroc. Je suis en sûr qu'on va arriver en France, on va tout niquer en France. Après la France, on aimerait faire des tournées. Quand je parle de tournées, je parle vraiment des vraies tournées. Pas des tournées des rappeurs amateurs que je vois un peu de partout là. Quelque chose de sérieux. Faire des tournées au Canada, faire des tournées en Belgique, dans tous les petits pays qui sont proches de la France là. On doit tout niquer. Tous les pays francophones, quoi. Ouais, tous les pays francophones. Grand concert au Zénith, au Bataclan. Percy, Olympia, au Stade de France, quoi. Stade de France, on veut tout niquer là-bas, tu vois. Avoir un maxi de public, quoi. Tu vois. C'est l'objectif. L'objectif d'un artiste, c'est quoi? C'est placer sa plume jusqu'au niveau où personne ne peut arriver. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une compétition, c'est normal. Il y a trop d'aînés, il y a beaucoup de rappeurs, beaucoup de bons rappeurs. Bon, le plus important, c'est qui va arriver là où est-ce qu'il va arriver. Parce que nous, on n'est pas là pour se retrouver au pied. On doit arriver au sommet. Représenter le Cameroun jusqu'à la mort. D'accord. Il agonise dans cette prière, c'est ça là. Là. Donc, il m'a dit toi, il a trois vies. Il a faim. Désolé, nous sommes en plein ramadan ici, donc nous allons voyager nous autres. Ça va aller d'ici 15 minutes. C'est pas bien, il reste combien d'heures, Babou? Il reste 30 minutes là. Il reste 30 minutes pour qu'on lance le four. Donc ça va. En fait, j'ai entendu vos sons. J'ai entendu 4 à 5 sons de 117. J'ai entendu 2-3 sons. Babou? Mais j'ai jamais entendu freestyler. Les guerres ne font que se succéder, mais l'âme des soldats reste éternelle. C'est bon. Ok, deuxième partie, freestyle. 117, 3 points. C'est parti. Ok, c'est bon ici. Connivence. On avance, Nécro. Yaoundé, Casablanca, Paris. Yo, yo. BPA à Kaza jusqu'à Paname.
blanc, beurre blanc dans le même verre, je panache. Africa pur sang, barbare sont les impulsions et puissants. Commence à connaître comme c'est puissant. Depuis les champs de canne à sucre, la plume est violente, molant. Nos pieds verts sont embrousés en pied violet. Au volant de nos vies, on se casse dans le cœur des îles. Peu importe le frein, le rap sur le destin. Habitué le train-train, train, 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 alcool, violent, c'est sexe, drogue, hip-hop, c'est le kiff du ghetto. Comme tous les jeunes de la rue, on veut marquer le bitume. Planer dans les airs jusqu'à aller toucher la lune. Tu reconnais la lune, c'est du Tupac, du Prodigy, du Malcolm X. C'est un peu ma couleur de peau, c'est que t'as rien compris. Le gros, ça vient de l'Afrique. Yo, je vais faire un truc. Yo, big up à Connivence. Merci beaucoup. Yo, yo, écoute ça, le mercredi 77. Hey yo, hey, hey. Dédicace en staff. Yo, c'est fier d'être africain, maghrébin, marocain, tunisien, on est tous africains. On a les mêmes gènes, mêmes peines. Devant l'Occident, on fait partie des hommes de la même graine. Moi, je me sens chez moi partout, citoyen partout. Africain, on a tous les atouts. Africain, comme ça me nomment les Marocains. Vous et moi, on forme un, on est tous noirocains. Maline, la mélanine qui nous aligne. Aligne des générations, soyons unanimes. Africains, tous face au racisme. Liberté, égalité face à l'humanisme. Africains, tous main dans la main, sur le même chemin. Pour un lendemain, africain, I have the cream. Africain, on est tous York. Dans ma tête, c'est une armée chinois. Normal, renois, ça pose du comme d'hab. Je suis pas chez moi. La rue tâte ou la peau avec une pague au doigt. La réussite au bout des lèvres, on veut quitter le trottoir. Mon rap baisse, yo. Mec qui le veut, baisse à thérapeute, thérapeutique. Mec qui nous veut. La zekmi nous saoule, on s'en bat les couilles. Tête haute, vis croix. Agression fait balle, on rappe salty avec pas, panique pas, t'es un allié ou on compagne. Rage coloniale, hand un tutsi, tutsi, je fume du MC avec un whisky. Ah, connivence, connivence. Ok. Ouais, je suis un petit pour les gars du Cameroun. Merci. Les gars de connivence. Ok. Yaoundé. Les gars qui ont de l'avance. Merci. Tranquille. Connivence. Ma vie c'est pas du Shakespeare, je m'attrape la langue de Molière. Encore heureux que je respire, malgré tous les temps austères. J'ai pas de toi dont je m'inspire, à part Dieu mon cœur à terre. Où est-ce que ça fond dans la tire, comme des serrés à killer. Depuis, hey, écoute ça, c'est pas bon. Mais quand je veux je te dis Necro, le style est barbare. Viens pas tester un, hein. Wesh yosh, ouais yo 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 yo. Pas bon. Rap qui silice, modélise de la chanson. Rap camère mal vêtu, j'aperçois les chalençons. C'est la belle mère que des enculés en frappe. Passe-moi le prison que je les nique en vrai. Les sons à peine articulés, ils ne peuvent que gazouer. Comme les oiseaux de l'Atlantique, ils seront tous m'ajoutés. Attends, je vais ajouter, le cœur parmi les friquets. Nos rap signal mauvais, les MC sont cryptés.